Bonjour à tous, aujourd'hui bilan du défi de vos créations du mois de mars qui avait pour thème le fait de dessiner par-dessus une photo. Vous avez été une centaine environ à participer, il y a eu de l'animation, il y a eu du dessin sur papier comme sur ordinateur. Bref, il y a eu beaucoup beaucoup de choses, mais comme d'habitude, je vais pas pouvoir parler de tout le monde parce que c'est trop de monde. Mais si vous voulez voir le travail de chaque personne qui a participé au défi, je vous invite à aller dans les commentaires de la vidéo annonce que je vous mets en fiche et en description pour pouvoir voir justement tous les liens vers toutes les participations de tout le monde. On commence direct avec l'une de mes images préférées de toute la sélection, c'est celle qui a été faite par Victime Albert. Au départ, on a cette photo-là, donc une photo de forêt prise dans la forêt. Et ensuite, ça donne cette image-là avec une créature de la forêt à l'intérieur de cette image. Déjà, j'aime beaucoup le fait que tu partes d'une photo de jour au départ pour en faire une photo de nuit avec un changement de paramètres, j'imagine, dans les courbes de lumière, ce genre de choses. Et surtout, les lumières vertes que tu mets à la fois sur lui et à la fois au fond, parce que justement, ça donne un contraste vachement intéressant. Et enfin voilà, je trouve que c'est une image qui marche vachement bien. Et en même temps, le design de ton perso me semble simple et efficace. On continue sur les photos de champignons avec cette fois-ci Matt Ketmo, c'est Moquette à l'envers, je sais pas si c'est fait exprès, qui a rajouté Wario, Mario et Yoshi sur cette photo-là, donc ça marche plutôt bien. Après, l'idée n'est pas du tout la même que l'image précédente, parce que ici le but c'est pas vraiment de les intégrer de façon, on va dire, réaliste et plausible en termes de lumière et tout ça, c'est vraiment d'avoir un truc cartoon qui s'insère dans une photo. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien, et puis justement, dans toutes vos images, vous avez à chaque fois pris soin quand même d'avoir un minimum de cohérence avec la photo en mettant des ombres, en essayant de respecter les lumières et tout ça, donc c'est vraiment dans le thème. Ici, on a une image que je trouve vraiment chouette, c'est celle de la faucheuse dame qui a peint directement sur une photo, donc littéralement sur une photo imprimée, et ça c'est vachement bien. C'est un alien qui passe au-dessus d'une maison, donc là on a un petit peu des plans sur justement le matériel qui a été utilisé, et j'aime beaucoup le fait qu'il y avait déjà au départ des traces dans le ciel, que tu as ensuite joué avec ça pour pouvoir rajouter cet effet-là. Et j'avoue que c'est un truc que j'aurais bien aimé voir un peu plus dans vos images, à savoir vraiment des dessins sur des photos imprimées, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça en termes de texture, en termes de matière. Ici aussi on a du dessin traditionnel qui a été rajouté sur une photo avec Dracamir qui s'appelle Sagarace sur Instagram, souvent vous n'avez pas les mêmes noms. Donc on voit ici la photo de départ que tu as prise, ensuite le dessin dessiné sur papier, et j'aime vraiment beaucoup l'idée de lui avoir fait une coupe de cheveux en nuage. En tout cas, on trouve les différents éléments qui font une bonne intégration de dessin dans une photo, avec justement l'interaction avec ce qui se passe dans la photo. Donc vraiment ici on voit que tu as caché la main derrière la forêt, enfin derrière le sapin, la forêt directement, et que tu joues sur la forme du bâtiment pour justement le faire s'adosser à quelque chose. C'est toujours mieux de faire ça plutôt que de mettre un personnage comme ça qui n'interagit avec rien dans votre décor. Donc il faut toujours penser en termes de forme, de volume, de lumière pour vraiment que ça s'intègre bien, même quand le style graphique n'est pas réaliste du tout. Ensuite il y a l'image de Searching for Nickname qui a fait quelque chose, j'imagine que c'est fait exprès, mais j'en suis pas sûr, parce que la photo au départ n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on voit que c'est très très pixelisé, comme si ça avait été pris avec un appareil photo ou plutôt un téléphone portable qui ne prend pas de haute résolution. Et justement, à l'intérieur de cette photo en basse qualité, tu as vraiment pris soin de faire en sorte que ta créature aussi soit en basse qualité, ce qui l'a fait se fondre directement dans l'image. Et donc la plupart des photos et vidéos paranormales, etc., sont toujours filmées avec des choses qui ont beaucoup de grains, qui sont très floues. Donc là, tu as parfaitement réussi à réintégrer cette image avec ta créature, qui marche vachement bien avec ses deux yeux étincelants et le petit reflet de lumière sur le côté, là, parce que la lumière vient de l'extérieur. Vraiment très très bonne intégration. Ici, on a l'image de Photographic. Alors ici, l'intégration est moins bien réussie justement parce qu'il n'y a pas ce côté interaction physique quelque part. Donc si tu avais voulu vraiment faire un câlin à Totoro, tu aurais pu directement faire comme ça sur ta photo et faire en sorte de gommer ton bras pour qu'on ait l'impression qu'il passe réellement derrière le personnage. Putain, il y en a un qui fait des trucs métalliques dehors là. Pour tes prochaines intégrations de dessin dans une image, je te conseille de vraiment penser en termes de plan aussi, de profondeur, c'est-à-dire que ton personnage va parfois passer devant un élément réel et un élément réel va parfois passer derrière le personnage dessiné, histoire de brouiller la piste, plutôt brouiller les limites entre ce qui est réel et ce qui est dessiné. Ici, on a l'image de Titouan Trinquart avec ce poulpe-là que tu as vachement bien intégré justement en jouant sur l'opacité des tentacules qui sont dans l'eau. Donc c'est un truc tout simple, mais juste ça, ça fait une bonne intégration de dessin. Donc ce qui aurait été intéressant peut-être, c'est vraiment de penser en termes de volume et de lumière justement en oubliant les traits de contour et juste en mettant des lumières et des ombres qui permettent justement de comprendre la forme de ton personnage sans qu'il y ait un trait de contour qui fait directement dessin. Donc à toi de voir si tu veux essayer pour une prochaine fois de vraiment travailler sans trait de contour, ça peut aider vraiment à comprendre le volume des objets. Il y en a aussi pas mal d'entre vous qui ont fait des animations sur des photos, et ça c'est vraiment chouette. C'est par exemple AnimaBee qui a fait cette animation là. Donc le but ici n'était pas d'intégrer parfaitement le personnage en termes de réalisme, etc. C'est juste de faire un personnage qui se balade sur le toit, et je trouve que ça fonctionne vachement bien. Surtout que tu as bien géré le vent dans la robe et dans les cheveux. Donc là on avait un plan fixe, mais il y en a carrément certains d'entre vous qui ont fait un montage avec différents plans d'animation. Donc justement pour avoir une histoire complète, comme Neuka Animation par exemple. Voilà, c'est toute cette petite histoire avec le personnage qui saute du bureau, qui va essayer d'atteindre un autre endroit. Donc c'est vraiment chouette de voir carrément des petits films faits sur ce thème qui au départ était de dessiner sur une photo. Donc vous avez parfois été beaucoup plus loin que ça. Encore une petite animation et puis on repasse à des images fixes avec celle de Puyorette, qui a fait une petite histoire en disant qu'il y a quelque chose d'étrange dans sa maison avec un monstre dont j'aime bien le style graphique aussi, avec vraiment ce tremblement du trait.
Donc voilà, vous avez vraiment été super imaginatif en termes d'histoire et ça me donne envie justement d'animer par-dessus des images réelles. Le genre de truc que je dis depuis longtemps que j'ai encore jamais fait, mais ça arrivera un jour certainement. Il y a Leto qui a fait cette image-là que je trouve vachement bien parce que la photo a été assez modifiée, c'est-à-dire que tu as peut-être passé en noir et blanc alors qu'elle est en couleur, tu as peut-être encore plus brouillé la frontière entre dessin et image réelle en jouant sur quelques courbes histoire de contraster encore davantage. Et je trouve que tout ça fonctionne vraiment très bien, même l'ombre que tu as rajoutée ici qui est assez discrète mais qui correspond parfaitement aux autres ombres qu'on voit ailleurs. Ici, on a l'image de Moss qui montre bien qu'il faut toujours s'adapter à la lumière de départ qu'il y a sur une photo, parce qu'ici, on voit très bien que le soleil, il est là, il est visible, quoi. Qu'il fait des reflets sur l'eau énormément ici et un peu moins ailleurs, mais justement qu'il va créer ce genre d'ombre qu'on voit ici, et un petit peu aussi sur le côté des bateaux ici, ce qui veut dire que quand il ajoute ses baleines dans son décor, il faut que l'ombre parte vers là-bas. Et je pense que pour comprendre la lumière, c'est vraiment intéressant de partir là-dessus, en fait, de dessiner sur des photos, de comprendre les différents paramètres de lumière qu'il y avait dans la photo originale, c'est-à-dire où est la lumière, quelle est sa couleur, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle rebondit, est-ce qu'il y a des reflets ou pas, quelle est la matière du personnage que je suis en train de dessiner. Tout ça pour comprendre mieux comment est-ce qu'on gère la lumière dans un dessin. Et c'est peut-être plus simple de faire ça plutôt que de commencer directement avec une page blanche où on doit faire toutes les lumières tout seul. Je disais qu'il y avait eu des images fixes, mais aussi des animations, et il y a eu aussi des vidéos où vous expliquez en détail comment est-ce que vous avez fait tel ou tel dessin. Donc là, par exemple, il y a Xavier Deluc qui a fait une vidéo où il se balade dans la rue, où il voit différents endroits et où il décide de prendre une photo et ensuite de dessiner quelque chose par-dessus. Donc il nous explique ce qu'il dessine, pourquoi il le dessine comme ça et comment est-ce qu'il l'intègre. Et j'ai trouvé ça assez instructif de voir comment il s'y prenait pour justement faire ses dessins sur le vif comme ça, on le voit se balader en train de choisir des trucs. Il y en a carrément qui ont fait des sortes de carnets de voyage avec plein de photos et un personnage qui se balade à travers différents décors. C'est le cas par exemple de Morgane Illustration qui a ajouté son personnage sur différents endroits. Et c'est chouette de voir justement le voyage de ce personnage-là. Après, niveau intégration, il est souvent très très flashy ton personnage, ce qui fait que il s'intègre pas forcément super bien au reste. Sur cette image-là, par exemple, j'aurais bien vu des ombres beaucoup plus contrastées, comme tu peux le voir sur la statue. Donc c'est vraiment là-dessus que tu dois te baser, je pense, pour faire la lumière de ton personnage. L'idée, c'est de trouver le moyen, même si le personnage est très cartoon, de l'intégrer avec la lumière, avec les ombres, mais aussi avec des choses comme les couleurs, par exemple, en ajustant la teinte et la saturation de tes couleurs par rapport au décor, à l'environnement. Par exemple, tu vois que ici, le ciel est beaucoup plus gris que sur une image comme celle-ci justement où c'est beaucoup plus ensoleillé. Donc tout ça doit jouer dans l'intégration de ton personnage. Ici, il y a le travail de Cafetière qui a fait quelque chose que j'aime beaucoup avec des personnages de pigeons. Et je crois que t'en avais fait un autre quelque part. Avec les pigeons qui vont carrément envahir la ville, quoi, les pigeons géants. J'aurais bien aimé un peu plus de contraste encore une fois dans ton dessin, histoire de l'intégrer un peu mieux dans le décor. Mais sinon, c'est vachement cool. Ici, il y a quelque chose de très intéressant à observer avec le cas de Big Bad Villain qui a fait ce personnage-là, ce personnage de chat qui tient son stylet justement et qui dessine sur son ordi, qui fait les conneries. Mais justement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a utilisé les mêmes techniques un peu que dans la stop motion quand on est obligé de faire tenir un objet en l'air histoire d'incruster quelque chose ou histoire qu'un personnage le tienne. Et donc sur la photo d'à côté, on peut voir comment est-ce qu'il a accroché avec une sorte de fil métallique, j'imagine, son stylet en position au-dessus de sa tablette histoire de pouvoir incruster ensuite le chat par-dessus. Donc c'est vraiment le genre de technique qui est intéressante à voir, je pense, et auquel on pense pas forcément. Donc c'est vachement utile de faire ce genre de choses quand on veut incruster un personnage dans un décor réel et qui est vraiment une interaction réel quoi, avec un objet concret. Ici, on a encore une fois une vidéo avec du dessin sur une photo imprimée. C'est fait par Cookie Draw. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut voir en détail comment est-ce qu'elle a procédé pour faire ça. J'aurais bien aimé voir des méduses avec leur côté translucide, justement, mais pas aussi transparent que ça. Peut-être en ajoutant de l'aquarelle assez diluée pour qu'on voit à travers, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose de plus presque phosphorescent, transparent, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, l'idée de base est vraiment chouette. Et puis ton dessin, même avec la composition, fonctionne bien. On continue sur la vidéo avec Fiji Game qui a fait carrément une vidéo complète sur comment est-ce qu'il a créé cette image-là. Je trouvais que la composition, certes très simple et de profil comme ça, marchait plutôt bien. Et on voit au final que tu es parti sur autre chose. Donc tu as cherché d'abord une image de bus sur internet que tu as ensuite incrustée avec Krita. Et je trouve ça un peu dommage que tu aies gardé la créature dans la même position que sur ton croquis de départ, mais que le bus soit complètement de travers et soit plus dans la même pose. Donc je trouve qu'on perd en narration dans ton image finale, alors que dans le croquis de départ, on voyait que tu avais des idées de base avec justement des histoires et des personnages. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir pris le temps de faire cette vidéo-là justement pour nous montrer ta démarche. On va continuer un peu sur quelques animations, avec ici celle de Luz 3T, qui a fait cette animation-là, qui est juste une sorte de grosse créature qui... Je sais pas trop comment décrire ça. Donc là on voit qu'il y a quelques petits ratés, hein. Par exemple ici on voit que y a une sorte de petit espace qui devrait pas être là normalement. C'est le genre de petits détails qui peuvent défaire un petit peu l'intégration. En tout cas j'aime bien les couleurs que tu as choisies, je trouve que ça ressort vachement bien par rapport à la photo de départ. Une animation très courte de Isaël qui a fait une sorte de lumière qui se balade au crépuscule et qui va se transformer ensuite en créature. Ce que j'aime ici c'est la lumière, le fait qu'il y ait vraiment un contraste très fort et que les arbres ne soient que des silhouettes, et que justement la lumière que tu as ajoutée reste dans cette idée de contraste, de lumière orange, et tout ça fait que c'est une très belle intégration je trouve. Et j'aime bien ce petit mouvement à la fin, sa façon d'atterrir très légèrement.
Ici, on a une photo portrait très simple de Claire Dedu qui a juste rajouté des petits éléments sur une photo d'elle. C'est très simple, c'est efficace, j'aime beaucoup les couleurs utilisées qui sont pas très saturées. Ici, on a Lancelot qui est parti de cette image de base avec une tasse de café, un spot en noir et blanc, déjà quelque chose de très contrasté, et qui a fait cette image-là, que je trouve encore une fois très simple et efficace. J'aime bien le fait que les étoiles soient très stylisées en forme de croix, et surtout on voit que tu as très bien respecté le fait qu'il y avait une ombre ici, pour la faire exactement de la même façon à côté de l'échelle. Encore une illustration un peu angoissante avec Aurore 158 qui a dessiné cette créature qui descend des escaliers et qui a les yeux étincelants. Les yeux, ils auraient pu être aussi blancs que là, par exemple, pour vraiment faire un truc impactant. Mais en tout cas, encore une fois, j'aime bien le fait que tu es parti d'une photo de jour, que tu as su la mettre en noir et blanc, contraster encore plus, et vraiment modifier la photo de base pour la mettre dans l'ambiance que tu voulais. Ensuite, il y a Balomalo qui a fait cette image-là, que j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, design assez simple, c'est pas censé être réaliste, c'est juste une intégration bien faite avec notamment les gouttes d'eau. Et là, on voit que tu as rajouté aussi des gouttes d'eau bleues autour de ce personnage-là, histoire de faire en sorte que les traits de tes dessins fassent vraiment partie du paysage. Ici, on a une intégration un peu différente, parce que le personnage est peint pour qu'on ait l'impression qu'il soit en volume, en 3D. Donc il n'y a pas de trait de contour, il y a juste des ombres et des lumières, ce qui donne cet effet justement image de synthèse presque. Et encore une fois, je ne sais pas trop si c'est la qualité de l'image que j'ai sur mon ordi ou la qualité de la photo au départ, mais on voit que tu t'es vraiment adapté au grain qu'il y avait au départ sur la photo pour l'ajouter sur ton dessin. Donc c'est vraiment des petits détails qui font la différence quand on intègre un dessin dans une photo, et ça peut être aussi subtil que juste du grain dans une image. Ou bien rajouter un petit effet de flou par exemple. En termes d'idées sur la lumière, j'aime beaucoup aussi cette image de Dan Bertolo qui a joué sur la luminosité qu'on a quand on met de la lumière sur une plante et qu'on voit justement ce qui se passe derrière par transparence en mettant des silhouettes de personnages. Ça donne un côté un peu mystérieux en même temps parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. Après, pour la composition, j'aurais bien aimé voir un peu plus le bas de la plante, ou en tout cas que les silhouettes soient plus par ici par exemple, parce que là, le fait qu'elle touche vraiment le bord de l'image, ça me gêne un peu en termes de compo. Ici, on a l'image de Rambe D qui justement fait l'intégration entre un personnage et des animaux. Et encore une fois, ce sont les images qui marchent le mieux quand il y a vraiment une interaction entre le dessin et le réel. Aussi simple qu'une pose comme ça et juste une main posée sur l'animal. Après, au niveau de l'intégration, je pense qu'il y a beaucoup plus de flou ici que sur ton personnage, donc peut-être qu'il aurait fallu mettre quelques petits effets histoire de l'intégrer mieux. Mais en tout cas, j'aime bien la pose de ton personnage, son design, ses couleurs, et je trouve que l'image fonctionne plutôt bien. Une animation qui me plaît bien aussi, c'est celle de Evos qui a fait un petit gif avec justement une sorte de créature bizarre qui bouffe des trucs dans le frigo. L'intégration marche bien, je trouve juste que c'est une idée marrante au départ. Encore de l'animation avec cette fois-ci le petit menhir qui a fait un personnage qui se balade dans les toits. Enfin, sur les toits. Donc il y a encore vachement de problèmes en termes d'animation, justement, en termes de timing, parce que on sent pas vraiment le poids de tes personnages, et ils sont juste en train de flotter comme ça. Donc en termes de principe de l'animation, il y a pas mal de choses que tu devrais apprendre, parce que justement, avec ce manque de poids dans tes animations, on sent moins le côté course-poursuite que ce que tu aurais voulu, je pense. En tout cas, je t'encourage vachement à continuer les animations, t'as encore plein de choses à apprendre, et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. Là, c'est une image que je trouvais juste marrante de Nobody Kartoffel, avec ces deux personnes complètement torchées sur la voiture Heineken. Bon, tes personnages sont encore assez plats, donc je pense qu'il faut travailler sur le volume, justement, pour qu'on les sente un peu plus présents. L'image de Alex Desrosiers, qui est déjà très belle au départ, je trouve, et sur laquelle il a rajouté un animal, enfin, une sorte hibou, c'est un hibou. Encore une fois, un petit travail supplémentaire sur la lumière aurait peut-être fait une meilleure intégration, justement, tu vois qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'ombre, surtout sur le côté, et ton dessin reste relativement plat, en tout cas en termes de lumière. Donc encore une fois, j'ai toujours ce petit truc-là sur le relief de vos dessins, qui permettrait vraiment, avec quelques petits détails, de rajouter beaucoup, je pense, à vos images. On n'a pas vu beaucoup d'images de nuit, donc je vais finir sur l'image de Flap Flop Art, avec cette forêt en pleine nuit et ces différentes créatures qui sont lumineuses ici et pas lumineuses là. Donc je comprends que la lumière sur cette créature-là vient d'eux, parce qu'il n'y a pas d'autre source de lumière apparemment, mais je trouve encore qu'il est un peu trop lumineux et peut-être qu'il aurait fallu faire en sorte que ces personnages là-bas soient flous par exemple, histoire de rajouter un petit peu au côté profondeur de la photo. Mais en tout cas, c'est intéressant de se tester dans différentes conditions lumineuses, de jour, de nuit, avec un plein soleil, avec de la pluie, je sais pas, vraiment tester plein de conditions atmosphériques différentes pour voir comment intégrer ces personnages dans ces différentes conditions. Je vais m'arrêter là pour ce petit bilan de vos participations. Évidemment, il y a plein d'autres personnes qui ont fait des choses vraiment bien mais que j'ai pas pu traiter ici. Donc encore une fois, allez dans les commentaires de la vidéo annonce de ce défi pour voir toutes les participations, parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas pu montrer. C'est dommage, mais voilà. Merci à tous pour vos participations, c'est vraiment cool de voir qu'il y a autant de personnes qui s'investissent là-dedans. Le plus important, c'est de s'y mettre et de commencer à faire des choses et que vous discutiez entre vous de vos projets, que vous partagiez vos images. Je vous rappelle au passage qu'il y a un nouveau défi créatif qui a été lancé là au mois d'avril. Le but est de prendre cette illustration que j'avais réalisée récemment et de la refaire avec votre style graphique. Je vous mets la vidéo d'explication dans la fiche et dans la description si vous voulez participer à ce défi du mois-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.